S'il vous plaît, monsieur. Où y a-t-il de la dynamite? Je sais que les conteurs de Rhys du Temple de Fées côté ouest disent avoir vu de la dynamite dans les eaux du Temple de Fées. Carnet de mission accédé. Éloigne tes hommes d'ici. Pourquoi, Ulukai? Nous avons beaucoup de travail. Je vais voir ce que je peux faire pour accélérer les choses. Je vais essayer de régler tout ça. Si quelqu'un peut le faire rapidement, c'est bien toi, Ulukai. Sauvez-vous, Ulukai veut faire quelque chose. On peut se voir un instant? J'ai effacé les traces de l'accident. C'est bien, Ulukai. Peut-être que notre chef aura une récompense pour toi. Ça, c'était de l'explosion, non? Oh oui, je suis ravi qu'aucun Talan n'ait été tué. Tu es vraiment aussi grand qu'on le dit et je te remercie mille fois. C'était rien. Je te prie d'accepter ceci, Ulukai. J'aurais aimé pouvoir faire plus, mais tous les Talan loueront ton courage. Nous devons retourner au champ maintenant.
métal détecté. Salut! Ulukai, quelques orques! S'il vous plaît, monsieur. Comment ça va? Ulukai, les gens de soi louis, tu es ici. Ouais, génial! Qu'est-ce que tu fais? Mes frères vont être jaloux. C'est moi qui t'ai rencontré le premier. Tes frères? J'en ai beaucoup. On a grandi ensemble. On a été convertis ensemble. Et on travaille dans la même branche. On apporte l'espoir au Talan. C'est-à-dire?
Nous vendons à ceux qui le veulent les objets sacrés des Yodes. Ces objets se vendent depuis de nombreuses lunes. Ceux qui les achètent ont le sentiment de posséder un peu des Yodes chez eux. T'as des trucs à moi ? Super ! Montre-moi ce que tu as. Bien sûr, Lulukai. Je serai ravi de te vendre n'importe lequel de mes objets. Oh là, du calme, hein, qui parle de me vendre quoi que ce soit. Ces objets sont à moi. Je comprends ta colère, Lulukai. Mais quand tu connaîtras notre histoire, tu comprendras pourquoi on vend ces objets, même à toi. Je préviendrai mes frères que je t'ai rencontré. Comme ça, ils s'attendront à te voir arriver. Rends tes putains de Zorkins. Avec ça, tu vas faire des dégâts, non ? Ton histoire a intérêt à être carrément excellente si tu veux que j'achète mon propre matos. Notre père a toujours voulu décider lequel de ses fils prendrait le contrôle des affaires quand il serait réintégré. Chacun de nous s'est donc vu attribuer un boc dans lequel il peut vendre. Laisse-moi deviner. Celui qui gagne le plus de Zorkins a gagné. Hein ? Tu as parlé à notre père ? Son idée est géniale, non ? Écoute, Dieu. Je suis en train d'essayer de sauver mon monde, et le seul moyen, c'est de prendre des risques pour le tien. Et toi, t'es là, me raconte une histoire débile, et en plus, je vais devoir t'acheter mon propre matos. On te fera tous un prix, bien sûr. C'est comme vendre de l'eau à un type qui est venu t'aider à éteindre le feu chez toi. Tu ne comprends pas bien, Lulukai. Ce ne sont ni les Zorkins, ni les affaires qui nous intéressent, en fait. Mes frères et moi, nous nous détestons. Et nous nous livrons à une compétition acharnée. Perdre serait pire que la réintégration. Tu comprends que j'essaie d'aider les Talan ? Pour en finir avec Ferran ? Avec toute cette souffrance, tu piges ? Nous ne sommes pas responsables de ces souffrances, Lulukai. Très bien. Dans ce cas, je devrais peut-être tout arrêter. Ça serait très bon pour les affaires, Lulukai. Plus les Talan souffrent et plus les prix augmentent. S'ils étaient tous désespérés, ils donneraient jusqu'à leur dernier Zorkin pour un objet des Yodes. Mais quand ils ont de l'espoir, ils ont moins besoin de nos objets sacrés. C'est pas possible. Je ferai une bonne action en débarrassant ce monde des Talan comme toi. Ça te rendrait meilleur de réintégrer un Talan qui n'a même pas d'armes ? Tu n'as rien besoin de nous acheter, Lulukai. Nous payons les Talan qui vont nous chercher ces objets sacrés. Tu peux, toi aussi, en trouver en explorant les régions. Une chose est sûre, vous ne serez pas dans mes petits papiers. Combien pour ces objets, Viora ? Vas-y, blesse, terrorise, détruis ! Mais que fais-tu, Lulukai ? J'ai dû abaisser mes prix à leur niveau les plus bas depuis des lunes pour arriver à vendre un peu. Fais-leur un peu goûter la colère des Yodes. Prends tes putains de Zorkins. En te servant de ça. Objet sacré. Qu'est-ce que tu vends ? Tu as vu ma boutique ? Je n'ai pas grand-chose à vendre en ce moment. Je suis dans quel boc, là ? Demande un autre talent. Végétation inconnue à haut niveau d'adrénaline.
Hé, hey, machin. Bonjour l'ami. Oh, mais c'est Ulukai, le grand en personne. Je sais qui tu es. Ah ouais? Que l'essence de tous les espoirs soit sur toi pour venir sauver Adelpha des griffes de Feral. Tu es un genre de Yod, c'est ça? Je sais pas vraiment. Je m'appelle... Ah ouais, Zagou. Je m'appelle bien Zagou. Tu vas bien? Ça plane pour mon essence, Lukai. Pas de vagues cette lune. Tu veux des épices? Parle-moi de tes épices, Zagou. Elles sont incroyables, Lukai. Tu n'en trouveras jamais de meilleures. On s'en sert pour quoi? Pour cuisiner au grand être supérieur. Les Talades m'achètent des épices pour donner à leur nourriture toutes sortes de goûts. Dans quel genre de nourriture? Tout ce que tu veux. Avec mes épices, je peux donner le goût que je veux à n'importe quel plat ou boisson. Carnet de mission accédé. Métal détecté. Il y a un Shamas dans cette cité? Oui, le Shamas Zokras, à l'ouest du palais de fées. Mais ne t'aventure pas dans la cité haute. Parle-moi un peu de la cité haute. Il ne vaut mieux pas y entrer. C'est là que se trouvent les meilleurs soldats qui protègent Feran. Tu sais où se trouve Shamas Zokras? Je l'ai vu pour la dernière fois au boc des marchands de Rhys, à l'ouest du palais de fées.